Ce que nous savons, c'est que la souche O104 qui a été isolée était déjà présente dans les graines lorsque nous les avons achetées. Ce qui veut dire que la contamination n'est pas liée à des manipulations auxquelles nous avons procédé au centre de loisirs, mais que la souche était déjà là. Donc ça exclut d'une certaine manière une part de responsabilité de la mairie de Bègles qui, dans cette affaire, victime d'une chaîne, qui n'est qu'un maillon de la chaîne.